faire quelques séries de leg extension, les curls. Ensuite, on va commencer la guerre. C'est parti. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle série. Nous revoilà sur le terrain. Les compétitions amateurs sont maintenant terminées. Place aux choses sérieuses maintenant. Cette nouvelle série va concerner la préparation pour la première compétition pro show de Maxime, Régis et Philippe. L'objectif de cette nouvelle préparation, ça va être la même chose pour les trois. Pour Maxime, ça va être un peu plus de masse. Et d'ailleurs, c'est une très bonne chose puisque à chaque préparation, on est obligé de taper dans les muscles. Vous avez vu dans la vidéo de la compétition de Maxime à Copenhague, c'était vraiment très compliqué à descendre son poids puisque voilà, à 100 kg, il est déjà à moins de 5% de body fat. Du coup, pour être à 96 kg, il fallait taper dans le muscle. Nous avons plus ce problème puisque chez les pros, il peut se présenter à 100 kg le jour de la pesée. Donc, c'est une très bonne chose. Et pour Régis et Philippe, ça va être pareil. Plus de masse, mais toujours plus de définition et plus de conditions. Comment ça va, Max? Ça va. Ça va très très bien. Je me sens bien, le début de la prépa. Là, on est à 3 semaines et tout se passe bien. Vraiment content, impatient. Et ouais, ça va le faire. Toi, à chaque préparation, tu avais ce stress de perdre du poids, d'être au poids le jour J. Mais là, on n'a plus cette pression. Donc là je te sens plus détendu. Oh, là, je suis... Be cool, tu vois. I'm cool. Ah ouais, on voit ça. J'espère qu'il va rester cool tout au long de la séance. Alors, on va faire quelques séries de leg extension pour s'échauffer. Et ensuite, c'est parti pour la guerre. T'es prêt? I'm ready. Let's go. Let's go, baby. Là, on fait 4 séries de leg extension entre 15 et 20 reps, pas trop lourd. On n'est pas là pour se fatiguer pour le premier et deuxième exo. Pareil, on va passer à leg curl. Le but aussi, c'est qu'avant de passer au hack, là, on va vraiment charger, qu'on soit vraiment chaud pour éviter les blessures. Il s'est vachement amélioré, il a pris en galbe, mais je sens qu'on peut pousser encore un peu les. Il faut prendre encore un peu de galbe. Chez les pros, le niveau, c'est pas du tout la même chose. Allez, on y va. On va commencer par le hack squat. La machine des vrais garçons. La machine est souvent négligée, souvent oubliée dans les salles de sport. Mais comme je l'ai toujours dit, quand vous rentrez dans une salle, si vous voulez voir les vrais garçons, vous allez à la machine hack squat. Ah mon gars, c'est mieux de se mettre en gel hein, pour prévenir des douleurs. En plus aujourd'hui on va envoyer lourd. Faut que tu sois prêt mon gars. Donc c'est mieux, on prévient des douleurs. Ok, je suis prêt. Il y a du jus, laisse-le. Encore une.
2, 3. Reste-toi. Une, descends plus bas, ça compte pas ça. Ça compte pas, on y. Une. Deux. Allez, c'est dans la tête, bon, on y va. Une. Deux, descends plus bas, descends plus bas. Voilà. Voilà, champion. Encore, sans réfléchir. Reste là. Un, deux, trois. Allez. Tu me fais 10 reps. Je suis pas là. Tu descends le plus bas possible. On y va. Une, plus bas. Deux. 3, plus bas, 4, 5, 6, 7, 8, voilà, ça compte. Dernière. Il faut aller à l'échec à chaque séance, à chaque série, putain, à chaque série, à chaque série. C'est comme ça qu'on attrape un point faible. Sors de ta zone de confort si tu veux attraper tes cuisses. C'est comme ça à chaque séance. À l'échec, tu décharges, tu vas à l'échec, tu décharges, tu décharges, tu décharges. À l'échec, à chaque rêve, à chaque série. Sinon, ça va jamais venir. C'est bien. J'ai rien dit pour la première, voilà, encore plus bas. Exactement. 9, allez, reste bon. Deux autres, vas-y, on va jusqu'à 12. Une, deux. Encore plus bas. 3, c'est bien. 4, 5. Encore. 12 reps, unilatéral. Descends le plus bas possible. Rien peut t'arriver, je suis là. Maintenant, sans repos. Let's go. 1, 2, 3. Yes. 1, 2, 3, 4, 5. Descends, descends, descends. Encore. Encore. Oh. Oh, bébé. Oh. Oh. C'est bien. Je sais que c'est dur. Mais c'est ça qui est bon. Mais dans ça.
ces moments-là où c'est dur, où tu sens, tu sens la faiblesse, il faut que tu penses à tout ce qu'on a fait. On n'a toujours rien, mais on a un peu plus d'expérience. C'est ça qu'on a gagné, l'expérience. Et ça, ça n'a pas de prix. Et la vraie expérience, celle qui est constructive, celle qui sert à quelque chose, ça vient avec le travail. Mais un vrai travail qui a été fait avec le courage et la sincérité. Et c'est ce qu'on a fait. Pas de signe de faiblesse. Pas de fatigue. Jusqu'au bout. La carte pro, c'était une étape. Le jour qu'on va faire quelque chose chez l'écran, là, on peut parler. Pour l'instant, on n'a rien à dire. Ne te laisse pas influencer par tous ces compliments. Ça rentre là, ça sort de là. C'est gentil, mais il ne faut pas que tu les prennes à cœur. Sinon, ça va t'éloigner de ton objectif. On est petit, on est très très petit. Garde cette humilité qui te caractérise. Et concentre-toi sur ton objectif. T'inquiète pas, le jour viendra où tu auras des choses à dire. Mais pour l'instant, le travail. Laisse-le parler à ta place. Ok, champion ? Comme je l'ai dit, le point faible, le point à attraper sur lequel on se concentre beaucoup avec Maxime, c'est ses cuisses. Quand vous voulez attraper un point faible, il n'y a pas de secret. Il faut sortir de votre zone de confort. Au-delà de respecter certaines méthodes logiques, travailler les cuisses, les laisser se reposer au moins pendant 3 jours, ça tout le monde le sait. Mais à chaque séance, il faut sortir de votre zone de confort. Il n'y a pas de répétition prédéfinie à l'échec. À chaque fois, à chaque fois, à chaque fois.